série télévisée qui passe sur France Télévisions actuellement. Vous jouez le rôle d'une douanière, très ferme, très active, droit dans ses bottes, qui démantèle avec ses collègues des réseaux. Comment vous vous sentez dans ce rôle de douanière? Est-ce que ça correspond à votre tempérament? Alors, ce que j'aime avec ce personnage qui s'appelle Zazie, c'est qu'elle est. Le point commun qu'on peut avoir, c'est qu'elle est entière et qu'elle aime la salsa. Donc, ça, c'est important. Et surtout que c'est. Elle est très professionnelle dans ce qu'elle fait. Elle est spécialisée dans la chimie. Voilà, donc c'est elle qui fait des analyses, tout ça. Et en même temps, elle est aussi sur le terrain. Et elle est amoureuse, évidemment, de son patron qui est marié. Forcément. Donc voilà, donc ce que j'aime, c'est que voilà, c'est quelqu'un de vrai et en même temps, c'est rare à la télé aussi d'avoir un personnage féminin assez fort et qui soit pas nunuche, quoi. C'est pas que l'amoureuse est perdue, c'est-à-dire que dans son boulot elle cartonne, mais dans sa vie voilà, personnelle elle est un peu en difficulté, sinon il n'y aurait pas de suspense, donc on sait pas comment ça va terminer, mais en tout cas, voilà, c'est une femme d'aujourd'hui. Comment vous vous êtes retrouvé dans l'aventure Action Spéciale Douane? Le premier casting, en fait, d'ailleurs c'était drôle parce que moi, en fait, je chante aussi et je viens du milieu de la salsa. Et quand j'ai lu les essais, ce qui était assez rigolo, c'est que donc François, son partenaire, elle l'emmenait dans un bar de salsa, il buvait des mojitos et elle discutait. Et après, elle partait danser et chanter. Et je me suis dit, bon, ça c'est écrit pour moi. Et vraiment, ça me ressemblait. Donc quand j'ai passé le casting, en fait, je suis partie en impro, j'ai commencé à chanter et danser. Je fais le réalisateur, ils se disaient, mais c'est quoi cette folle? Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes. Il faut d'abord plaire au réalisateur, après à la production et après à la chaîne. Et après, il faut qu'on aille ensemble, parce qu'on est cinq héros, et notamment François et moi, donc, qui est joué par Marc Duret, quand même un grand comédien français. Il fallait qu'on aille ensemble dans les énergies et physiquement et tout ça. Et donc, ça a collé, donc je suis contente. Nadège Bosson-Diagne, on vous voit de plus en plus au théâtre, au cinéma, on vous a vu dans Podium, on vous a vu dans Agathe Cléry, donc tout va pour le mieux pour vous. Ça va, ça va. Non, je suis contente parce que je travaille. Je fais partie des rares comédiens d'origine africaine qui travaillent. Parce qu'il faut le dire quand même, c'est pas parce qu'on nous voit que c'est si simple. Hein. Parce que voilà, un film, enfin, j'ai joué dans un film qui s'appelle Agathe Cléry. J'ai joué au théâtre aussi. Mais ça occupe pas toute l'année, quoi. Donc faut que les gens aient bien en tête aussi que c'est un métier difficile. Mais c'est vrai que je travaille de plus en plus et avec des choses de plus en plus intéressantes. Mais c'est surtout que maintenant j'ai décidé de le faire autrement, ce métier. Et au lieu d'attendre chez moi des rôles qui ne vont pas venir à moi parce qu'on ne va pas y penser, je coécris une série avec Tania de Montaigne. Donc je suis très très contente. Et donc voilà, on croise les doigts, j'espère que ça va se faire. Et voilà, en tout cas j'ai envie maintenant, moi, comme Lucien Jean-Baptiste l'a fait, d'écrire des choses puisqu'on est capable de le faire. Il faut juste trouver des personnes avec lesquelles le faire et puis arrêter voilà, de pleurer chez soi ou d'avoir la haine parce que les choses n'arrivent pas. C'est peut-être aussi à nous de faire en sorte que les choses arrivent. Il y a 4 ans, à Afrique.com, vous déclariez qu'être femme et noire représentait un double handicap. Aujourd'hui, ça a l'air d'être différent quand même. C'est toujours le cas pour vous? En 2009? Oui, mais en même temps, Les ça fait choses n'ont 15 pas ans que je fais ce évolué? métier, quoi. Et c'est-à-dire que, on va dire, talent égaux, si j'étais, je pense, une petite blanche, je pense que j'aurais déjà des rôles plus importants. C'est-à-dire que là, je suis encore, à chaque fois, en fait, la difficulté, c'est qu'on repart toujours à zéro. C'est-à-dire que même là où j'ai le rôle principal d'une série, eh ben, à chaque fois, j'ai encore des castings où il faut que je reprouve que je suis capable. Il n'y a pas des choses établies comme ça où d'un seul coup, on se dit, ah bah ça y est, elle a fait ça, donc on va pas lui redemander à chaque fois de prouver qu'elle est capable de le faire. Donc voilà, ça qui est un peu fatigant. Et en même temps, bon, c'est la loi, hein, j'ai choisi aussi ce métier-là. Et ce qui me sauve de vraiment de la folie complète, c'est que je travaille dans le cinéma africain et que là-bas, on m'offre des rôles, on m'écrit des rôles. Plus intéressant et là j'ai joué dans le prochain film de Sylvestre Amousseau qui avait réalisé Africa Paradis pardon, et qui a écrit un rôle pour moi donc ça c'est super et là voilà c'est aussi des bonheurs comme ça pour moi enfin c'est très important de travailler en Afrique quoi. Je pense que sinon ça me manque trop quoi. Là j'ai pas tourné depuis un an en Afrique ça me manque quoi. Et quand est-ce qu'on vous revoit sur le grand écran? Quel est le prochain projet? Le prochain, donc on va le tourner en septembre, donc dans un an encore, qui s'appelle Un pas en avant, le film de Sylvestre Amousseau. Et puis là, donc France 2, sur France 2, dans Action Spéciale Douane. Et puis bientôt aussi, là, je suis en train de tourner un téléfilm avec Estelle Lefébure et Yves Régnier, où je joue un procureur.
Alors là, j'ai halluciné, j'ai dit, mais moi, un procureur. Donc c'est pour ça que j'ai dit que les choses bougent aussi, parce que maintenant, il y a des gens dans les chaînes aussi qui juste mettent le doigt en disant, mais attendez, le procureur, peut très bien être noir, on s'en fout, quoi. Et donc voilà, donc ça bouge comme ça, heureusement, mais c'est un combat, quoi.